Je fais de l'intelligence artificielle tendance modélisation cognitive. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à essayer de reproduire des performances efficaces. Ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est d'essayer de reproduire ce que fait l'humain. Et croyez-moi, l'humain, il est fort, il est intelligent, et souvent, on n'arrive pas à la cheville de ce que fait un petit enfant en matière d'intelligence artificielle. Alors, si on a ce défi de dire on s'intéresse au hasard, moi, je vais un petit peu casser l'ambiance. Alors, voilà, mon fruit. Alors, le fruit du hasard est-il comestible? Finalement, ça cadre bien à ce que je vais vous raconter. J'aime bien aussi le dessin. J'ai mis du temps à comprendre, à faire attention au dessin. Le dessin est excellent. Donc, on a une urne de loto qui nous sort des boules. Est-ce qu'on va arriver à manger, à déjeuner avec ça? Alors, voilà, je vais un petit peu casser l'ambiance en vous donnant une définition du hasard. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est le risque de divulgâcher ce que vont raconter les collègues, parce que c'est tellement mieux d'enregistrer, d'avoir un halo, de dire le hasard, c'est compliqué, c'est un petit peu, ça plaît à tout le monde, hein. Mais moi, j'ai tellement de choses intéressantes à vous dire derrière que j'ai besoin de ce socle, j'ai besoin de définir le hasard, et après, on peut construire dessus pour l'appliquer aux sciences humaines. En fait, je vais m'appuyer sur les travaux mathématiques. Donc, souvent, on vous dit le hasard, c'est compliqué. Mais qui vous le dit? Ce sont des physiciens, ce sont des psychologues. Mais les mathématiciens, si on leur demande, ils vont dire le hasard, on sait très bien le définir. Ah oui, par les probabilités. Non, non. Non, non. Le hasard n'a rien à voir avec les probabilités. Et ça, c'est peut-être. Alors, c'est quelque chose qui a plus de 50 ans comme résultat, mais qui est assez peu connu du public. Quoique, quand j'ai vu les noms des gens qui parlent à cette conférence, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir exactement le même discours que moi. On va définir le hasard une bonne fois pour toutes. Voilà, vous avez ici une suite qui est aléatoire, prétendument. En tout cas, elle a l'air aléatoire. Et les mathématiques nous disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Au début du XXe siècle, les mathématiciens ont essayé de se dire qu'est-ce que je peux faire avec pour définir le hasard. Et la première des choses qu'ils ont faites, c'est faire des statistiques. On va faire des statistiques pour dire s'il y a plus de 1 que de 2, c'est pas au hasard. Etc. Donc s'il y a plus souvent le chiffre 666 que tous les autres chiffres de nombre de 3 chiffres, donc s'il y a plus souvent 666, il y a la marque du diable là-dedans, c'est pas au hasard. Donc, on va faire des statistiques sur les occurrences de nombres, et ils se sont épuisés à faire ça. Donc, l'idée, c'est qu'une suite est aléatoire si elle est statistiquement équilibrée. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Alors, il y a quelqu'un qui est un heureux homme, c'est un scientifique qui a réussi à donner son nom à une constante. C'est pas donné à tout le monde, hein. Je ne sais même pas si Einstein, il a une constante, Einstein, je ne suis pas sûr. Mais Champernowne a une constante, et pas n'importe laquelle. Si vous regardez bien à l'écran, cette constante, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, jusqu'à l'infini. Il a réussi à donner son nom à ce truc-là. Ce nombre est magnifique parce qu'il contient toute la connaissance humaine. Il contient le numéro de passeport de madame. Le mien aussi. Donc, si vous voulez voler notre identité, c'est facile, il suffit d'aller dans ce nombre et le trouver. Ouais, seulement pour le trouver, il faut le connaître exactement. Donc, si vous connaissez le numéro de passeport sauf le dernier chiffre, vous ne savez pas où aller chercher le dernier chiffre. Mais c'est quand même un nombre magnifique, il contient tout. Il contient la réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Question sur quelle est la date de ma mort, par exemple, elle est dedans. En même temps que avec écrit la date, du moment qu'on peut le coder, hein, la date de la mort de Madame Durand est 2 points. Une fois que vous l'avez codé, derrière, il y aura la date. Ça y est même une infinité de fois. Mais rassurez-vous, aussi dans le même nombre, quelque part, il y a des dates fantaisistes. Donc, vous n'avez aucun moyen de savoir la vérité à partir de ce nombre. Mais ce nombre a la propriété d'être, d'après les tests précédents, aléatoire. Il passe tous les tests statistiques. Et pourtant, il n'est pas aléatoire, il est complètement déterministe. Hein. Même si votre niveau en informatique est celui d'un élève de sixième, je pense que pouvez programmer l'impression de ce nombre. Complètement déterministe. Donc, raté. Les mathématiciens se sont évertués
Alors je simplifie, mais en gros, pendant la première moitié du XXe siècle, ils se sont trompés, impasse, incapables de définir le hasard avec les statistiques. Alors on n'en est pas resté là, mais l'idée c'est quand même que les probabilités des statistiques, la sanction de l'histoire, elle est grave. Elle nous dit que les probabilités des statistiques n'ont rien à dire sur le hasard. Or, dans cette conférence, on entend très souvent parler de probabilités des statistiques. Alors là, on a un petit frottement qui pique là, hein, entre ce que disent les mathématiques et ce que disent peut-être les autres sciences, ou peut-être ce que veulent bien dire les conférenciers pour ménager leurs effets. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, je divulgâche, hein, probabilité, rien à faire avec le hasard. Ah, la solution, elle nous vient de ce monsieur, Kolmogorov, Andrei Kolmogorov, en 1965. Donc Andrei Kolmogorov n'est pas le premier venu, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Il est intervenu dans beaucoup d'aspects des mathématiques et de la physique théorique. Voilà, il est dans le top, je ne sais pas combien, des scientifiques du XXe siècle, je ne sais pas, moi, certainement dans le top 10, peut-être dans le top 5. Donc voilà. Il a axiomatisé les probabilités, hein, on lui doit l'axiomatique des probabilités dans les années 30, et donc 20 ans plus tard, il nous pond quelque chose. Il n'est pas tout seul d'ailleurs, enfin, c'est assez rigolo ce que je vais présenter. Trois personnes l'ont inventé indépendamment au même moment. Ça arrive dans l'histoire des sciences. Notamment, parmi eux, il y a Grégory Chaitin, et j'ai vu qu'il y avait un bouquin de Grégory Chaitin sur la table des libraires. Je connais ce livre, il est excellent, donc je suis ravi qu'il ait été traduit en français. Lisez ce livre de Chaitin, parce que Chaitin est un génie pour exposer les choses. Donc ce que je raconte là se trouve dans le livre de Chaitin, bien sûr. Chaitin, qui est un des co-inventeurs à la même époque et qui est toujours vivant, parce qu'à l'époque, il avait 19 ans, il faisait sa thèse. Oui, je sais, il était précoce. Il faisait une thèse à 19 ans et il a fondé ce que je raconte là, ça s'appelle la théorie algorithmique de l'information, fondée par Kolmogorov, Andrei Kolmogorov, Grégory Chaitin et un troisième qui s'appelle Ray Solomonov. Donc je pense que Chaitin était en Argentine, Kolmogorov était en Russie et Ray Solomonov était aux États-Unis. Et ils nous disent quoi? Alors surtout Kolmogorov, sur cette question précise, il nous dit quelque chose de très profond. Alors il nous le dit mathématiquement, mais il nous dit la première chose, qui est qu'une suite est aléatoire si elle ne contient aucune redondance. Alors vous allez me dire, quel rapport avec l'être humain? Je vais y venir. Mais quand même, vous avez déjà une idée. Si quelque chose est la conséquence d'autre chose, il y a une redondance entre la cause et l'effet, puisque vous attendiez l'effet à partir de la cause, donc il y a une redondance. Donc, ce n'est pas par hasard. Et donc, il nous dit quelque chose de très profond qui n'a rien à voir avec les statistiques. Il nous dit, ça pourrait avoir avec les statistiques, mais c'est plus profond que les statistiques. C'est s'il y a de la redondance, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par hasard. Une suite est aléatoire si elle est incompressible. Donc, voilà la réponse à votre question. La redondance, c'est ce qui permet de comprimer une information. Vous avez tous manipulé ZIP ou JPEG, ou que sais-je, JPEG c'est un mauvais exemple, mais PNG, donc les images en PNG, JPEG c'est avec perte, là je parle d'une compression sans perte. Et donc l'idée c'est que si j'arrive à comprimer, c'est qu'il y avait une information inutile dedans qui est la redondance. Alors ce que nous dit Kolmogorov, c'est que ce n'est pas avec ZIP que vous allez comprimer avec n'importe quel moyen mathématique que vous avez à votre disposition. Et si on vous arrivait à comprimer l'information, c'est qu'elle n'était pas aléatoire. En fait, l'aléatoire, c'est ce qui va résister. Donc, une suite est aléatoire, techniquement, si aucun algorithme ne peut l'engendrer. Ça veut dire quoi? C'est que, pourtant, Kolmogorov n'était pas informaticien en 1965, hein, mais on peut dire que ça fait partie de l'informatique théorique. Donc, l'informatique théorique peut se réclamer des mathématiciens comme Kolmogorov. Il nous dit, n'importe quel algorithme, l'algorithme c'est une notion mathématique avant d'être une notion informatique, si vous avez un algorithme plus court que la suite, qui est capable d'engendrer la suite, vous l'avez comprimé. Donc la définition technique de la compression, c'est la taille du plus petit programme ou algorithme capable d'engendrer l'objet qui vous intéresse. Ici, j'ai pris des suites numériques, mais ça pourrait être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et donc, vous pouvez dire que la quantité d'information qui est dedans, c'est la taille du plus petit programme. Et dans le cas d'un objet aléatoire, que vous êtes obligé de considérer comme aléatoire,
Eh bien, cette taille est, on ne pouvait pas faire plus court que la suite elle-même. Donc finalement, le meilleur programme, c'est print la suite. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Quand on vous demande votre numéro de téléphone, en général, c'est ce que vous faites. Vous donnez votre numéro de téléphone chiffre par chiffre, il n'y a rien à... Mais moi, dans mon passé, du temps où on avait les téléphones gris, là, j'avais trouvé, il y avait des équivalents avec les lettres. Je ne sais pas, les plus anciens doivent s'en souvenir. Il y avait des équivalents avec les lettres. J'avais trouvé un mot sympa que j'ai un petit peu oublié. C'est Pampela, je crois. Enfin, il y a un moyen beaucoup plus facile de se souvenir de mon numéro de téléphone que d'avoir les chiffres. Ça correspondait à quelque chose comme un prénom. Alors après, ça marche. Ça marche. Et depuis, bon, on a légèrement amélioré la définition dans le cas des suites finies, etc. C'est technique. Mais son idée de 1965, c'est la bonne. C'est-à-dire que chez les mathématiciens, il y a un consensus absolu pour dire que l'aléatoire, c'est ça. L'aléatoire, c'est ce qui est incompressible. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Okay ? Donc voilà, c'est ce que vous avez dit. J'ai divulgué le truc. Ah, pardon. Dans le cas où j'ai la constante de Champernon, là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez bien que là, je peux faire un tout petit programme qui peut engendrer une suite infinie. Donc là, c'est de la compression. Le deuxième en bas, c'est pi, vous l'aviez reconnu, 3, 14, 159, machin. Pi, il n'est pas aléatoire du tout, puisque je veux le zipper dans un tout petit programme qui engendre pi. Alors, les programmes efficaces, ils sont un peu plus longs, mais moi, je connais un programme de 3 lignes qui engendre pi. J'insiste un tout petit peu, une suite est aléatoire si on ne peut pas la simplifier. Vous êtes d'accord avec moi ? Et une suite aléatoire, elle est maximalement complexe. Pourquoi j'ai dit ces paraphrases ? Parce qu'elles introduisent les deux mots-clés dont j'ai besoin pour la suite, qui est simplicité, complexité. Et donc, ce concept-là est appelé complexité de Kolmogorov. On va l'utiliser... Bon, pour moi, je dis, la définition du hasard, affaire réglée. Et il n'y a pas de discussion. Je veux dire, il y a un consensus absolu chez les mathématiciens. Et si les autres ne sont pas au courant, il faut qu'ils aillent voir. Ensuite, mon propos d'aujourd'hui, c'est de dire pourquoi le hasard nous dérange-t-il dans certains cas et pas d'autres. Quand je marche, je vois une feuille morte par terre. Elle est là par hasard, mais je m'en fiche éperdument. Le hasard, je l'accepte. Non, heureusement, parce que sinon, on deviendrait fou. Donc, le hasard, on l'accepte. Là, la configuration de la salle, vous dites, bon, c'est par hasard que les gens se sont assis là ou là, bon, voilà, si c'est pas par hasard, je m'en fiche, enfin, je veux dire, c'est pas... Mais dans certains cas, ça nous reste, le fruit du hasard nous reste en travers de la glotte. Alors, comment ça se fait, ça ? Alors, vous avez vu que dans mon plan, à la fin, je vais essayer de sauver l'humanité, hein, de dire qu'on n'est peut-être pas si bête que ça, mais dans un premier temps, je veux dire qu'on est un peu bête, quand même. Donc, apparemment, on est un peu bête. Alors, voilà, ce qui s'est passé le 2 décembre dernier, je l'ai su parce que j'ai beaucoup d'étudiants et de collègues qui connaissent mon intérêt pour la chose, et j'ai reçu une bordée de courriels qui me disent « T'as vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud ?» Bon, voilà. Loterie, 5, 6, 7, 8, 9 numéros complémentaires, 10. Devant leur télé, il y en a plein qui ont dû dire « Je l'aurais juré ». Voilà, le 10 arrive. Mais alors, ce qui est beaucoup plus rigolo, c'est les commentaires sur Twitter ou ailleurs. Il n'y a absolument aucune chance qu'il y ait en gras. Hein. Il n'y a aucune chance que, voilà, enfin, que ça se soit arrivé. C'est une coïncidence incroyable. Au point que, sur Twitter, on parle d'escroquerie, qu'il y a une enquête qui a été diligentée et que les responsables du loto ont parlé d'un incident. Voilà. Alors... Dans la salle, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi que si vous voulez vraiment parler de chance, que n'importe quelle combinaison peut sortir, ces chances sont égales. Mais on ne le vit pas comme ça. Et vous comme moi, quand ça sort, on a un réflexe d'en parler aux gens qui sont près de nous et qui vont reconnaître l'intérêt de l'événement. Ça, c'est un autre exemple que j'avais avant, 2009. La loterie est sortie en Bulgarie. La même combinaison est sortie deux fois de suite. Intéressant, quand même. Là aussi, on a provoqué une enquête. C'est « The Commission Established to Investigate ». Il y a une enquête. Si on faisait une enquête pour chaque tirage. Ça, c'est un des préférés, mais ça, c'est hyper connu. Je l'ai pris exprès. Si vous allez sur Internet, vous verrez tout un tas de mentions de cette analogie entre Lincoln, Abraham Lincoln et John Kennedy, parce qu'ils ont tous les deux été élus à 100 ans d'intervalle au Congrès, élus à 100 ans d'intervalle président des États-Unis. Ils ont tous les deux été assassinés alors qu'ils étaient assis à côté de leur épouse.
tous les deux ont eu un succès, enfin, leur assassin a été tué avant d'avoir, d'être jugé. Ouais, leur successeur s'appelait tous les deux Johnson, donc le vice-président qui est devenu président après eux s'appelait Johnson, etc. Voilà. Kennedy a été tué dans une voiture de Mark Lincoln. Si vous allez sur Internet, vous avez une liste très très longue. Je me fiche ici de savoir ce qui est objectif. Enfin, si on prend, il y a des gens qui sont amusés à prendre deux autres présidents des États-Unis, à dresser un parallèle, enfin peu importe. Là, je m'intéresse à la raison pour laquelle ça exerce une telle fascination sur n'importe quel d'entre nous. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est la première fois qu'on voit ça, on est quand même interpellé. Et voilà, on a des coïncidences. Voilà. Ça, c'est le cas des coïncidences. Alors, le malheur du calendrier fait que j'ai une collègue qui parle des coïncidences dans la salle à côté. Dommage, c'est une mauvaise coïncidence. Alors, c'est une telle coïncidence qu'il y a des personnes qui ont essayé de dire, mais c'est pas étonnant, Kennedy est la réincarnation de Lincoln. Et on a des preuves. Alors, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça limitait l'étonnement, mais voilà, c'est l'idée que ici, on a que la preuve est écrasante. Bon, okay. Beaucoup de gens essaient de trouver des raisons à ça. Mon quatrième exemple, et j'en aurai pas plus, c'est celui de la rencontre fortuite. Vous êtes en Patagonie, en voyage. Oui, je suis passé à la vie de tous les jours. Hein. Vous êtes en voyage, ça vous est tous arrivé, peut-être pas en Patagonie, mais vous rencontrez quelqu'un par hasard quelque part. Et là, j'ai pris un cas extrême, vous êtes en Patagonie et vous rencontrez votre collègue qui est à un bureau d'écart du vôtre. Et je ne sais pas vous, mais d'abord, ça fait un excellent événement, ça fait une histoire incroyable à raconter. Mais là, le hasard, il est bizarre quand même. Alors déjà, on remarque cette forme de hasard. Et puis après, on commence à dire, mais tu m'as suivi, pas possible. Ou alors, dans les versions extrêmes, vous devenez un petit peu paranoïaque, ou vous dites, peut-être comme dans le film de Truman Show, le monde est organisé autour de moi, là, il y a eu un bug, ou il y a eu un bug dans la matrice. Enfin, vous essayez d'expliquer ce hasard, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui est commun à toutes ces situations ? La loterie sud-africaine, la loterie bulgare, la coïncidence Lincoln et Kennedy, la rencontre fortuite. Alors, comme je n'en doute pas, vous avez suivi l'épisode précédent, vous dites, au début, il m'a raconté quelque chose sur Kolmogorov, ça parlait de complexité, simplicité, compression. Oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est compressible, ça. D'accord ? Vous voyez le lien ? Ça, c'est... qu'y a-t-il de commun ? Donc, c'est compressible. Le deuxième, est-il compressible ? Chaque suite toute seule, non, mais ensemble, oui. La seconde, vous dites, c'est la copie de la précédente. Vous avez gagné beaucoup d'informations. Donc, il y a une grosse redondance. Voilà. Ah, la troisième, est-ce que ça marche bien ? Ah, bah oui. Parce que vous utilisez la description de ce qui est arrivé à Lincoln... Et quand il s'agit de décrire Kennedy, vous dites, je copie, et puis je copie avec modification. Ce n'est pas la même date, mais c'est 100 ans plus tard. Au passage, vous voyez que 100 ans, c'est plus simple que 97 ou 96. Il faut que ce soit multiple de 4 pour les présidents des États-Unis. 96 ans, c'est moins intéressant que 100 ans, parce que c'est plus complexe. Il faut plus d'informations pour le décrire. Le plus petit programme qui engendre 96 est plus long que le plus petit programme qui engendre 100 en base 10. On va dire ça au moins pour une cognition humaine. OK. Ça ne marche pas. On voit pas l'aspect compression dans la rencontre fortuite. Pas évident. Donc moi, quand j'ai travaillé sur ces questions-là, j'ai dit, ah zut, c'est presque, c'est dommage, ça ne marche pas, ça marche presque. Alors, changer mon fusil d'épaule, assez vite, je me suis aperçu qu'il fallait avoir une autre approche, qui était de distinguer la complexité attendue et la complexité observée. Et donc, quand on fait ça, dans le cas de la loterie sud-africaine, je m'attends à une complexité de 6 nombres. Et ce que j'observe, c'est qu'il en suffit d'un, et après, les autres, c'est les suivants. Donc, il y a un écart entre la complexité attendue, 6 nombres, et la complexité observée, un nombre plus une copie, plus un incrément, enfin, les suivants. Dans le cas de la loterie bulgare, j'attends 6 chiffres. Et ce que je vois, c'est que je copie, il suffit de copier le dernier, donc j'économise 6 chiffres, en gros, hein, parce que la copie, c'est peut-être l'opération qui coûte le moins. Donc là aussi, j'ai un écart entre complexité attendue, complexité observée. Et puis, dans le troisième cas, dans Lincoln et Kennedy,
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la complicité attendue, c'est deux destins indépendants. Donc les circonstances qui ont amené au destin de Lincoln, les circonstances qui ont amené au destin de Kennedy, comme ils sont indépendants, il faut que je paye deux fois ça. Mais dans la description de la complexité attendue, observée, ce que je vois à la fin, c'est qu'il y a un copycat, quoi. C'est que je peux copier ce qui s'est passé à Lincoln et j'ai presque ce qui s'est passé pour Kennedy. Donc, écart entre complexité attendue, complexité observée. Et dans le cas de la rencontre fortuite, là, on se récupère. Je m'attends à rencontrer quelqu'un de complexe, c'est-à-dire, tu sais, j'étais au Guatemala et j'ai rencontré un gars... comment le décrire ? Et puis là, vous commencez à trouver tous les moyens de le discerner de toutes les autres personnes sur Terre. Il vous faudra beaucoup d'informations. C'est une personne aléatoire que vous avez rencontrée là-bas. En revanche, si vous dites, j'ai rencontré mon voisin de bureau, là, l'information est toute petite. Et la personne est discriminée très facilement. Allez, troisième essai, et c'est le meilleur, c'est de distinguer, et ça je l'ai compris plus tard, et ça nous rapproche de ce que racontent beaucoup de collègues sur la causalité, il faut distinguer la complexité causale de la complexité de description. Et donc, dans le cas de la complexité causale, c'est-à-dire le nombre de bits qu'il faut donner au monde pour produire l'événement. Dans le cas du loto, il faut la complexité causale pour chaque nombre, c'est à peu près la complexité du nombre. Il fallait choisir une boule parmi 49. Et donc, pour un tirage, j'ai 6 fois cette complexité-là. Donc, voilà, complexité causale, c'est 6 fois la complexité d'un nombre entre 1 et 49. Alors, complexité attendue, elle est de nouveau très faible. Et c'est là qu'on retrouve, dans le dernier cas, la rencontre fortuite. Quelle est la complexité causale pour m'amener à cet endroit-là ? Il fallait que je choisisse mes vacances à ce moment-là, que je choisisse ma destination, que je choisisse le moment, que je choisisse cette rue-là. Et c'est la même pour mon voisin de bureau, si jamais c'est indépendant. Donc je vais payer très cher sa présence là-bas en termes de circonstances, mais en termes de description, je vais dire, mais c'est mon voisin de bureau. Il y a une autre façon d'être simple pour un individu que vous rencontrez comme ça, c'est une célébrité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un de célèbre quelque part. Et pour la même raison, plus l'endroit est compliqué, plus c'est intéressant. La même raison. Et donc voilà, juste, on m'a dit surtout ne montre pas d'équations, là tu vas te faire tuer. Je les montre, mais ne les lisez pas. C'est juste pour dire que ça se traduit mathématiquement et ça se calcule. Donc vous voyez qu'on fait des sciences humaines dures. Ah, j'adore ça. Faire la modélisation de sciences humaines et arriver à des quantités. Bon, après, le diable est dans les détails, mais quand même, on a au moins un cadre théorique qui nous vient de Kolmogorov. Et mon dernier point, c'est de dire. Les gens sont stupides, parce que quand même, l'histoire de la loterie, on sait bien qu'on ne devrait pas s'étonner. J'ai un collègue mathématicien, je lui ai posé la question du si 1, 2, 3, 4, 5, 6 sort au loto, il m'a dit, ben quoi ? Bon, voilà, c'est le seul que j'ai rencontré comme ça. Et je pense qu'il jouait un rôle à ce moment-là. Il avait envie de dire, je suis mathématicien. Si ça arrivait dans la vraie vie qu'il entendait à la radio, je pense qu'il se dépêcherait de le raconter à tout le monde, surtout à moi d'ailleurs. Alors, mais on est quand même un peu stupide de faire attention à toutes ces choses-là, notamment aller croire que Kennedy, la réincarnation de Lincoln, mais c'est quoi ce truc-là ? Mais évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Toutes les théories du complot sont de ce type-là. Vous dites, c'est pas par hasard qu'on a ça et ça et ça. Donc, en fait, je l'explique, je suis obligé d'aller chercher les hypothèses qui nous semblent, à nous scientifiques, un petit peu grotesques et farfelues, pour expliquer quelques faits qu'on observe. Donc derrière tout ça, il y a les théories du complot, les lois des séries, des choses comme ça. Okay. Alors sommes-nous si stupides ? Alors je voudrais réhabiliter un tout petit peu l'espèce humaine pour dire d'abord que les anomalies, les choses comme ça qui semblent trop dues au hasard, eh bien, il n'y a que ça qui nous intéresse. Notre cerveau, en ce qu'il est différent d'un cerveau de chimpanzé, tout est fait pour ça. Bon, je suis d'accord qu'à 99% on a un cerveau de chimpanzé, mais le petit pourcent qui nous sépare et qui est si important pour nous, c'est fait pour ça, pour faire attention à ce qui est anormal, à en parler surtout. Et ce qui est anormal, c'est ce qui semble être trop par hasard. D'accord ? C'est quand le fruit du hasard est difficile à avaler. Non, ça ne peut pas être par hasard. Et donc, on ne parle que de ça. Mais faites attention. Moi, j'ai passé pas mal de temps à enregistrer les conversations humaines, les conversations de la famille des salles. Et faites-le, et vous allez voir, regardez le contenu. Mais pourquoi parle de ça ? Et en fait, si je commence à vous raconter que ma sœur est allée au marché avant-hier et acheter des fraises, vous allez vous dire, mais il ne va pas bien.
Et si vous êtes scientifique, faites l'expérience. Racontez des choses comme ça à votre entourage. Et vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vos meilleurs amis ou votre famille va vous amener, de force ou pas, à l'hôpital psychiatrique pour vous soustraire à la société. On est très cruel envers les gens qui sont incapables de signaler les anomalies qui sont donc les cas où le hasard est inacceptable. Parce que pour tout le reste, le hasard est complètement acceptable. Hein, c'est par hasard que ma sœur a acheté des fraises, tout ça. Et so what ? Elle a acheté des fraises, elle les a achetées là plutôt qu'à côté, mais on s'en tape, on s'en fiche. D'accord ? Parce que ce n'est pas, il n'y a pas un décalage entre la complexité attendue et la complexité observée. C'est ça le critère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une anomalie ? Ben, vous l'avez deviné. D'abord, les probabilités, ça ne vous sert à rien. Pour ça. J'ai dit presque pas. Parce que dans la suite, quand c'est un événement répété, on peut utiliser. Il y a des cas où les statistiques sont un cas particulier de cette baisse de complexité. Ben, on va dire que dans ces cas-là, on ne va pas s'en priver. Mais les probabilités, sur le plan théorique, sont incapables de définir ce qu'est une anomalie. Donc une anomalie statistique, c'est un cas tout petit particulier parmi toutes les anomalies qu'on repère dans la. On repère des anomalies sur des événements uniques, évidemment, les statistiques ne peuvent pas. Donc la bonne raison, c'est qu'une anomalie est quelque chose qui est anormalement simple, au sens, vous vous souvenez, complexité, on attendait une certaine complexité due à la complexité causale et on observe quelque chose de plus simple. C'est cet écart en nombre de bits que vous pouvez quantifier et prédire que ça va être plus ou moins intéressant, plus ou moins, et à un certain niveau, les gens refusent et disent « Ah non, il doit y avoir une manipulation, un complot, quelque chose comme ça, ou voilà. » Et j'aurais vous rappeler qu'on est tous issus des chasseuses-cueilleuses, chasseurs-cueilleurs. Il ne faut pas aller chercher loin dans nos ancêtres pour les trouver. Hein ? On dit souvent que ça fait 10 000 ans qu'on est sédentarisé, etc. Ça fait 10 000 ans que quelque part sur Terre, il y a des gens qui sont devenus. Voilà. Mais les Gaulois, si on remonte les Gaulois, c'est la moitié moins. Hein. Sur cette Terre à Paris, là, il faut remonter moitié moins pour trouver des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est nous, ça, les chasseurs-cueilleurs. C'est nous, biologiquement. Alors, et il faut imaginer que chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas d'institution comme le loto. Il n'y a pas de science qui vous dit que, vous savez, la réincarnation, on a des doutes quand même. Eh, vous êtes avec quoi ? Vous êtes un système embarqué qui est dans votre tête. Vous faites ce que vous pouvez. Et les explications, après tout, la réincarnation chez les chasseurs-cueilleurs, ben, après tout, pourquoi pas ? C'est peut-être pas la plus mauvaise hypothèse. Et peut-être que nos ancêtres, enfin, si on existe, c'est parce qu'on a des ancêtres, peut-être qu'ils ont cru ça à tort, mais que ça leur, ils ont repéré au moins l'anomalie. Donc on descend des gens qui ont su repérer les anomalies et en parler entre eux. Donc voilà, je voudrais juste dire que ce n'est pas parce qu'on se fait piéger dans quelques cas, comme le loto, les théories du complot, etc., parce que les théories du complot, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas accès à toute l'information. Il faut excuser un peu la cognition humaine. On n'est pas si... Enfin, on a quand même globalement un appareil qui est quand même génial, qui nous permet de repérer les situations où le hasard est en défaut, semble être en défaut, et donc qui, au minimum, requiert notre attention. Voilà, si vous voulez en savoir plus... Il y a deux livres qui parlent de ça et de beaucoup d'autres choses. Enfin, le premier dans le contexte du vivant, le hasard dans le vivant, et la notion d'information qui est sous-jacente, où on raconte avec plusieurs auteurs que la sélection naturelle est une affaire d'information, c'est pas une affaire d'être vivant. Un autre livre là où on ces aspects-là, vous avez vu que j'ai parlé un tout petit peu d'informatique théorique. Eh bien, c'est des intelligences très artificielles, ça vous montre comment on peut amener les machines à faire la même chose que ce qu'on fait si facilement. Voilà, c'est le rêve en tout cas. Voilà, il y a un site sur la toile qui raconte ce que j'ai raconté, donc allez le visiter, simplicitytheory.science. Et la dernière chose, c'est un superbe MOOC qui va apparaître dans 15 jours, et je vous invite, alors il est en anglais, mais je vous invite à vous inscrire à ce MOOC. Je crois avoir compris qu'il était gratuit au début, qu'il serait payant après, donc dépêchez-vous. Je ne garantis pas ça. Hein, et il est sur la plateforme EDX, donc si vous suivez ce lien, vous aurez une information sur ce superbe MOOC qui parle de choses passionnantes sur ces sujets-là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc je me permets, donc merci hein, pour cet exposé assez complet, complexe, rapide et peut-être irréductible. Bon, je voulais poser juste une question concernant, tu as parlé de complexité causale.
à un moment donné, et tu, pour toi, cela ne va pas s'accumuler à causer une sorte de probabilité. Parce que si on a une complicité causale, est-ce qu'on n'arrive pas à une probabilité? C'est ça que j'aurais aimé t'entendre expliquer ça. Merci. Superbe question, merci Vera. Le problème des probabilités, du lien entre les causes et les probabilités, c'est quand on a réifié les causes. Donc les physiciens, ils adorent faire ça. Ils disent, la cause, elle existe là, elle est sur la table, je la vois, la cause, ou elle est sur mon papier, et elle a engendré tel effet. En fait, trouver des causes, alors moi, je ne travaille pas, je ne suis pas physicien, je travaille sur la cognition humaine, que j'essaie de modéliser avec les outils d'IA. Et je dis, ah ben oui, non, mais attendez, les causes, elles sont pas devant vous, elles sont pas entre nous. C'est quoi, trouver une cause? Ben, c'est un appareil cognitif. Alors, on appelle ça parfois l'abduction, hein, le fait depuis Peirce au XIXe siècle, on appelle ça l'abduction, c'est trouver une cause, c'est le contraire de la déduction, soi-disant. Trouver une cause, c'est pas évident. Vous voyez des traces, vous vous demandez d'où elles viennent. Et souvent, être intelligent, d'après les critères que les humains s'appliquent les uns aux autres, c'est être capable de trouver les bonnes causes. Donc les causes n'ont aucun aspect objectif. Les causes, c'est ce qu'on est capable de trouver. Et l'espoir de la cause, de trouver la cause, c'est de faire baisser la complexité causale. Et tu me demandais le lien avec la probabilité. Alors, souvent les probabilités s'intéressent aux événements futurs. Quelle est la probabilité que ça et ça? Et à ce moment-là, on regarde toutes les causes qu'on peut imaginer qui vont produire l'effet. Et puis on fait des calculs, on fait des théorèmes de Bayes, on fait tout un tas de choses. On le fait aussi vers l'arrière dans le diagnostic. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut reprocher à ces méthodes-là, c'est qu'on est toujours dans un domaine très confortable du scientifique où les causes sont disponibles. Et pire que ça, que les hypothèses sont affectées d'un coefficient de probabilité. L'intérêt du cerveau humain, c'est qu'il est capable de travailler sans ça. Il est même capable de travailler sur des situations uniques qui ne se sont jamais produites avant. Et dans ce cas-là, théorème de Bayes, vous pouvez courir. Hein. Vous n'avez pas d'idée sur vous avez zéro statistique pour soutenir vos probabilités. Donc voilà, pour moi, la réponse qu'il faut faire vraiment, c'est de dire que, dans un monde idéal, on pourrait jeter les probabilités, un monde scientifique idéal, on pourrait jeter les probabilités et tout remplacer par un calcul de complexité, parce que le calcul de complexité est plus général et contient le calcul des probabilités comme cas particulier. Voilà, je suis un petit peu entier, là, mais voilà. Donc, on raconte tout ça dans le MOOC, pas de manière aussi violente. Mais quand même. Alors, sur la rencontre fortuite, personne ne s'est arrivé à personne de rencontrer quelqu'un. Caroline de Monaco en train d'acheter des steaks hachés dans un prise unique à Saint-Rémy-de-Provence. Et alors, c'est à mon avis, vraiment, ça illustre mon point, parce que vous avez la simplicité au sens description minimale, hein, de la personne rencontrée, Caroline de Monaco. Elle est dans le top, je ne sais pas, enfin moins maintenant, mais elle est dans le top quelque chose des personnes connues. Une autre façon de le voir, c'est regarder le nombre de réponses sur Google, sur un moteur de recherche quelconque. D'accord ? Regardez combien elle répond et ça vous donne une indication de la célébrité de la personne. D'accord ? Vous tapez Caroline de Monaco. Vous tapez Jean-Louis Dessalles, vous comptez le nombre de hits et vous voyez laquelle des deux personnes est la plus connue. Et la deuxième chose, c'est très intéressant, c'est que c'est un peu comme la Patagonie. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Mais Caroline de Monaco, comment elle ne se fait pas livrer ses repas? Mais dans un prix unique en plus. Et elle n'est même pas végétarienne, hein, bon, etc. Donc, elle a une résidence à côté, donc ça diminue un petit peu, là. Mais quand même. Et donc voilà, si vous voulez raconter l'histoire, vous allez insister des deux côtés. Caroline de Monaco, tu te rends compte? Et ben, quand j'étais petite, j'adorais Caroline, non, plutôt sa sœur, enfin, je ne sais plus. Et en plus, et vous allez insister sur l'autre côté, mais comment dans un prix unique? Mais enfin, elle faisait la queue comme tout le monde, vous allez insister pour raconter. Et l'art de raconter des histoires, c'est de montrer le contraste entre la complexité causale, que vous allez présenter comme très élevée, et la complexité de description, que vous allez présenter comme minimale. Et croyez-moi, on est tous experts là-dedans, plus ou moins. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Moi, je ne suis pas très bon narrateur, mais je connais les ressorts, je sais très bien sur quoi il faut insister pour intéresser mes interlocuteurs. Non, merci beaucoup pour cet exemple, il est super. Merci beaucoup, M. Dessalles, pour cette très intéressante et très limpide conférence.
Je vais me permettre une petite synthèse. Le fruit du hasard est-il comestible? On peut penser aujourd'hui que souvent oui, mais parfois non. Il faut avoir la dent dure pour l'avaler, disons. Notamment parce que, et ça se comprend très bien lorsqu'on cherche une définition du hasard qui ne repose pas sur les statistiques, comme nous l'a montré M. Dessalles, qui ne repose pas sur une compréhension des probabilités, mais plutôt de se demander si l'information que l'on met dans notre compréhension du monde et en mathématiques est compressible ou non. Et c'est justement ce qui nous permet de comprendre beaucoup mieux certains événements fortuits qui nous paraissent justement beaucoup trop fortuits pour être fortuits, des fruits du hasard trop beaux pour être vrais finalement. On peut penser ici aux exemples qui ont été donnés, évidemment, les théories du complot, l'exemple de John Fitzgerald Kennedy et Lincoln est très parlant à ce sujet, mais également les rencontres fortuites. Ce sont des fruits du hasard qui appellent immédiatement un soupçon, ou voire une paranoïa, ou en tout cas qui nourrissent complètement notre volonté et notre réceptivité aux histoires. Ce sont des histoires absolument parfaites pour être racontées. De ce point de vue-là, on peut faire la distinction entre, d'une part, la complexité qui est attendue et observée, et dans ce cas-là, ces rencontres fortuites sont absolument fascinantes puisqu'elles sont anormalement peu complexes pour ce qu'on représente. Et d'autre part, la complexité causale qui est là pour les causer, justement, est bien supérieure à la complexité de description qui est nécessaire pour les aborder. Et c'est en ça qu'elle nous appelle. C'est en ce sens-là que le hasard est dérangeant. De là à dire que nous sommes tous des idiots qui ne comprenons pas le monde et le hasard, il n'y a qu'un pas, et M. Dessalles nous a très bien prouvé que en fait, ce n'est pas le cas, nous sommes des humains dans une cognition qui a évolué dans un environnement particulier, qui est très situé. On peut penser ici à toutes les théories qui débordent un petit peu du sujet, mais de psychologie évolutionniste notamment, et on comprend très bien que lorsque des chasseurs-cueilleurs cherchent à évaluer leur environnement, ils ont par exemple une grande sensibilité aux anormalités qui peuvent par exemple témoigner d'un danger, et c'est en ce sens que nous sommes devenus très réceptifs à l'anormalité, puisqu'il vaut mieux repérer un buisson qui bouge anormalement et s'en distancer, quitte à ce que ça soit un lapin qui fasse bouger le buisson, plutôt que de ne pas voir le tigre qui pouvait être caché dedans. Voilà, j'en ai terminé. Si vous voulez voir d'autres conférences qui sont reliées au sujet que nous a présenté M. Dessalles aujourd'hui, vous aurez demain une conférence de Pascal Wagner-Eger sur la question suivante, les complots aboliront-ils le hasard? Et pour approfondir l'aspect de l'intelligence artificielle, une autre conférence samedi en fin d'après-midi. Merci beaucoup.